Les amis, aujourd'hui on fait une aventure non avec Lou Malestia mais avec Lou Mali. Je l'ai trouvé plutôt marrant dans le dernier tournage. Bref, c'est pas pour ça que je fais cette introduction. Pourquoi j'ai allumé cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai vu Bowser qui est en train de rôder dans le village Cartoon Latin. Donc ici, je pense que vous reconnaissez, on est dans le château de la princesse Peach. Tout simplement, de toute façon ça se voit, hein, y a des tonnes un peu partout. Cet escalier, vous le connaissez sûrement. Bref, regardez, il y a Bowser qui n'est pas très loin, je l'ai vu. Attendez, faut peut-être que je me rapproche un tout petit peu. Je vais essayer de me cacher quand même. Attendez, je l'ai vu vers là tout à l'heure. Et où? Je sais plus. Ok, Atim, regardez, il est là-bas. Il va où? Ok. Il est dans le village cartoon, mais pas spécialement dans le royaume champignon. D'ailleurs, Lumali, comment tu vas, toi? Non, reste là, Lumali, reste là. Fais pas comme dans la dernière vidéo, tu cherches la mort de ton plein gré. Ouais, comment tu vas aujourd'hui? Bah mal, vu qu'hier, vous m'avez protégé. C'était pas hier, mais ok, merci beaucoup. bah oui, c'est un peu mon but de te protéger aussi. Mais non, mais j'ai envie de mourir. Non, tu ne vas toujours pas mourir, mais t'es vraiment relou, c'est horrible. Mais okay. Oh, il y a Hulk, tu peux me taper. Mais il n'y a pas de Hulk, Hulk, mais c'est une affiche, c'est une affiche, c'est un truc pour une salle de musculation. Oh t'es... Bon, ah, bref, ouais. On s'en fiche, regardez, Bowser est en train d'aller... Attendez, mais il va vers la maison de Sonic, là. Attendez, non, peut-être... Vers les Rainbow Friends, ou peut-être chez Rick et Morty. Sonic, c'est le hérisson, l'ami de Mario, l'autre d'un autre jeu vidéo qui est assez connu. Bref, on s'en fiche. Attendez, il est carrément... Il est allé où? Je crois qu'il est allé chez Rick, la team. Il est allé... Mais qu'est-ce qu'il va faire chez Rick? Okay, on attends, peut il mourir, chérie. Non, on va pas mourir. Reste derrière moi, reste derrière moi. Attendez, la team, il est carrément rentré chez Rick. Mais attendez, il va où? Ok, dans son garage, il y a personne. Oh ok, il a sonné chez Rick, il a sonné chez Rick. On va se cacher. Lou Mali, viens ici. Viens là, Lou Mali. Non, mais sérieux. Attends, je vais le choper. T'es où? T'es... viens là, je te chope. Allez, viens. Non. Allez, hop, voilà, tu restes avec moi, Lou Mali. Ok, il y a Bowser. Ok, il m'a pas vu. Let's go. Viens là. Voilà. Ok, c'est bon. Je crois que Bowser est en train de prendre une potion à Rick, la team. Mais qu'est-ce qu'il prend comme potion? C'est la question que je me pose. Ok, il est sorti. Cache-toi. Ok. C'est une potion pour mourir? Non, ce n'est pas une potion pour mourir. Attendez, je vais vérifier un petit peu. Ok, oh. Je me cache. Tu te caches avec moi, tu restes là. Ok, il va où? Ok, il est carrément en train de s'en aller. Très bien. Il a pris une potion à Rick. La team, si Bowser a pris une potion à Rick, je pense que c'est pas une potion qui est vraiment pour la joie et la bonne humeur. Donc je vais aller voir Rick et lui demander tout simplement ce que Bowser a pris. Et je vais m'adapter en fonction de cela pour le reste de la vidéo. Donc c'est parti, allons chez Rick. Bon, du coup, je vais rentrer dans la maison. Apparemment, il n'est pas dans son garage. Pourquoi la porte est tant grande ouverte? Attendez, Bowser a vraiment fait un trou comme ça pour entrer? Il est si grand que ça? Bon bref, Lumali, tu viens avec moi. Salut Rick, comment tu vas? Oh, coucou des gars. D'accord, un peu bizarre. Bien, après un client important. T'as un client important? Oui, d'ailleurs, je voulais te voir par rapport à ce client important. Il s'agit de Bowser, c'est ça? On est bien d'accord? Oui, c'est Bowser. Ok, très bien. Est-ce que je peux savoir ce que Bowser t'a commandé? Ah, il a pris une potion de Bowser Fury, je crois. Attends, quoi? C'est une potion très rare. Une potion de Bowser Fury et tu lui as donné. Excuse-moi Rick, mais tu tournes pas rond là-dedans. Y a un truc qui va pas. Rick, tu sais très bien que Bowser est un grand méchant. Je tourne rectangle. Oui, j'ai vu que t'étais plutôt rectangle. Mais en tout cas, Rick, tu sais que Bowser est un méchant des jeux vidéo. Et que la potion Bowser Fury, ça le rend tout simplement géant. Oh, t'es sérieux, mais Rick, oh là là. Oui, bah Rick, t'as fait une grosse boulette là. Ok. Reste là, vaut mieux. Je veux plus que tu fasses de bêtises. Non, tu n'accompagnes pas, tu restes là. Lumali, tu viens avec moi. Tu viens avec moi? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Lumali? Par contre, c'était trop bon tout ce qu'il y avait là-dedans. Non, t'as pas bu les potions. Oh non. Si, il y en avait quelques-unes qui traînaient. Bah, j'ai dit, bah, il a pas tout bu. Mais il y a plus rien dans son garage. Viens là, ça va que t'es un loup. Il a pris mes bouteilles. Oui, bah voilà, il a pris mes bouteilles. T'as fait une bêtise, ok. Ah non, pas de bouteilles. Bah plutôt vol, ok. Très bien, bon, du coup la team. Des potions. On a un énorme problème. Tout simplement, Bowser a commandé à Rick une potion pour devenir géant de Bowser Fury, le fameux jeu vidéo du coup qui s'accompagne avec Mario 3D World, il me semble, sur Nintendo Switch. Du coup, la team, si Bowser se transforme,
on est mort. Littéralement, on est carrément mort. Du coup, il va falloir qu'on empêche un petit peu cela, accompagné de Lumali, qui ne va pas partir faire ses affaires et qui va revenir vers moi. Très bien. Donc, Lumali, tu vas me suivre et on va devoir retrouver les traces de Bowser. Je pense, la team, que tout simplement Bowser est retourné en direction de sa forteresse. Donc, pour ça, cette fois, j'ai pris ma voiture, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a, Lumali ? Est-ce qu'il y a de la lave chez Bowser ? Il y a de la lave et c'est pour ça que si on doit y aller, tu ne m'accompagneras pas, Lumali. Bref, vas-y, monte dans la voiture. Ou alors tu me suis en volant. Il y a juste, ouais, je vole. Ouais, ouais, bon mieux. Bon, bref, du coup, la team, ce que je fais, c'est que je fais une petite ellipse et on se retrouve directement quand on est devant la forteresse de Bowser, si je ne l'ai pas vue en chemin. Ok, la team, on arrive bientôt à la forteresse de Bowser, donc let's go, on y est presque. Attendez, il est là. Ok, je me gare. Ok, c'est bon, il est là. Salut, Bowser. Attendez, la terre commence à trembler, la team. Ça commence à trembler. Non, je crois qu'il a bu la potion. Il a bu la potion. Non. Oh, ça, c'est pas cool, la team. La team, il s'est transformé en Bowser Fury. Il va où? Non, là, il va vers la Villa Lestia. Non. Bon, au moins, il se dirige pas vers les très gros immeubles qui sont au sens opposé. Attends. Non, faut pas qu'il aille là-bas. Va pas vers la Villa Lestia. Attendez, non, il revient vers moi, là. Non, wow. Je veux pas qu'il m'écrase. Je veux pas être écrasé, si je pouvais être évité. Non, Lumali, tu viens ici. Tu viens là. Non, tu vas pas vers Bowser. Il est où? Non, tu vas pas vers Bowser, Lumali, tu restes avec moi. Attends, j'arrive pas à le choper. Allez, viens là, arrête de bouger et... Ok, non, Lumali, tu viens là. Ok, c'est bon, je l'ai. Très bien, on va laisser passer Bowser et toi, je vais te ramener à la maison. Sûrement, je veux pas que tu fasses partie de cette aventure. Ok, Bowser, il est passé, la team. Oh, mais regardez-moi les sauts qu'il fait. Ok, c'est bon. Bon, Lumali, avant d'y aller... Est-ce que tu me promets que tu vas m'aider à sauver l'humanité et ne pas essayer de mourir? On verra. Ouais, non, bon, je prends ça pour un oui. Très bien. Ok, la team. Wow, il est en train de me balancer. Wow, mais qu'est-ce Bonjour. Que... Wesh, mais regardez-moi ce qu'il m'envoie. Attendez, mais là, on est dans un vrai jeu vidéo. Ok, il faut esquiver. Il faut carrément esquiver. Wow, il est en train de tout détruire, la team. Ok, la team, je crois qu'il est en train de me défier. Il est en train de m'envoyer divers pouvoirs. Regardez, il m'envoie des sortes de météorites un peu bizarres. Let's go. Donc, je peux m'avancer. Vas-y, c'est parti. Ok, faut que je fasse gaffe parce qu'elle tombe du ciel. Wow. Ok, Lumali, tu viens là. Ok, let's go, la team. Oh, mais il est tellement puissant, Bowser Fury. Vas-y, cache-toi, Lumali. C'est bon, les pierres sont passées. Il est où? Non, il est en train de partir. Ça y est, il est en train de se rediriger vers les bâtiments, la team. Il va falloir que j'essaye justement de le défier. Ok, c'est parti, je vais prendre de la hauteur parce que là c'est beaucoup trop compliqué. Ok, vas-y, let's go. Oh, je sais pas comment faire. Ouah, il met tellement d'éclairs, c'est horrible. Ok, vas-y, c'est parti. Oh, il a détruit la maison. Et moi je rembourse pas ça, hein. Le maire il se débrouille, mais je ne rembourserai vraiment pas ça. Qu'est-ce qu'il y a, Lumali, encore? Est-ce que je peux essayer de me prendre un éclair une fois? Non, tu ne te prends pas d'éclair une fois. Mais la team, il va tellement vite. Je crois qu'il est en train d'aller vers la maison de Diabolo Fit 35, la team. Il est en train d'aller vers la maison de Diabolo. Ok. Oh, non, mais pourquoi il va là-bas? Eh, reviens. Non, Lumali, mais qu'est-ce que tu fais? Ok, la team. J'essaie de le stopper, moi. Oui, bah, je suis pas sûr qu'avec ton petit corps, tu arrives à faire grand-chose. Hein. Oh, Lumali arrive. Regardez, Bowser est ralenti. Ok, il fait du surplace. Let's go, la team. Très bien. Moi, ça va me permettre de pouvoir prendre un petit peu de la hauteur. Donne-moi un éclair. Ok, c'est parti. Tu n'auras pas d'éclair, Lumali, sérieux. Ok, c'est bon, la team. Très bien. Mais par contre, Bowser est en train d'avancer vers la Villa Diablo Fit 35 et ça, c'est très mauvais, ça. C'est pas cool du tout parce que si la Villa Diablo est complètement détruite, ça, je vais devoir le rembourser et je pense que Diablo me pardonnera sûrement pas. Donc, let's go. Attends, faut que l'attrape, mais il va tellement vite. Attends. Ok, let's go. Je vais peut-être le retarder un petit peu avec mon châtiment céleste, la team. Regardez, ça l'attire apparemment. Ok, ça l'attire, ça tombe bien parce que la maison de Diablo est juste là-bas. Super. Ok, c'est en train de l'attirer. Ça l'attire. Il faudrait que je sois là où il y a des immeubles. Comme ça, je peux monter. Normalement, il me suit. Il est en train de me suivre. C'est génial. S'il y a des immeubles, la team, je vais pouvoir prendre la hauteur de Bowser. Donc, je vais pouvoir aller très haut et pouvoir mieux viser sa tête. Ça, c'est cool. Et si vous avez des idées de comment pouvoir détruire Bowser, dites-le moi en commentaire. Ça peut drôlement m'intéresser quand même. Parce que là, je sais pas comment faire. Lumali, t'es où?
Bah, je suis là, je suis au-dessus. Je veux vraiment pas qu'il te mange. Let's go. Bonne idée. Normalement, il y a des immeubles à bas, la team, en espérant qu'ils ne détruisent pas tout. Il est en train de me suivre. Aïe, 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 aïe. Ok, ça fait mal, ça fait mal. Il va falloir que je me bouge un peu. Hop, c'est parfait. On va prendre avec Eliane. C'est parti. Ok, let's go. Ok, la team, là, je vais un petit peu plus vite. C'est cool. C'est cool, parfait. Nickel, comment je vais faire pour sortir de là? Hop. Oh, ouais, nickel. Ok. Vite, Loumali, cours. Je crois qu'il est juste derrière moi. Non, il a recommencé avec ses boules de pierre. Ok. Ouais, c'est parfait, Atim. Regardez, les immeubles sont là. Je vais pouvoir monter. Ça, c'est cool. Et Loumali, tu me rejoins en haut, ok? Non, c'est dur. C'est parti. Ok, Atim. Oh là là. Ouais, non, mais Bowser aussi, il monte sur l'immeuble. Il faudrait qu'il descende pour que je puisse l'atteindre, la team. Il va falloir que, il va falloir qu'il descende. Ok, let's go. Il est en bas. Regardez-moi ça. Oh, il est tellement grand. Attendez, j'ai peut-être une illumination. Loumali, j'ai une idée. Ouais. Je viens de retracer le parcours de Bowser dans le jeu vidéo Bowser Fury. Et tout simplement, ce jeu, il y a des chats dedans. Et c'est comme ça que Bowser redevient petit. Tout simplement avec des chats. Donc il faudrait, la team, que je rende un chat géant. J'ai eu une idée de génie. Il va falloir que Bowser se batte contre un chat. C'est totalement nul comme idée. Ok, ce que c'est, Loumali. Je vais expliquer aux abonnés, tout simplement dans le jeu Bowser Fury, du coup Bowser se bat contre des chats à la fin, et là je vais devoir faire exactement pareil pour le rendre petit. Donc il va falloir que je perde Bowser, il faut pas qu'il puisse me suivre, et pour ça, j'ai l'immeuble parfait. J'ai l'immeuble parfait à team, j'ai l'immeuble de Godzilla, donc c'est génial, et j'espère que je vais pouvoir le perdre, tout simplement. Ok, c'est nickel, let's go. Il s'en mêle avec son feu. Ah bah tant mieux, s'il s'en mêle, moi ça m'arrange, let's go. Ok, je suis presque en haut, la team, je vais bientôt arriver en haut. Ok, là je peux monter tranquillement. Ok, là déjà je suis plus grand que Bowser, donc je vais perdre Bowser tout simplement, puis aller acheter un chat, le transformer en géant grâce à l'aide de Rick, et après ils vont tout simplement se battre, et peut-être que Bowser va redevenir petit. Hop, let's go. Donc attends, je monte. Ok, encore un petit peu, la team. Oh, c'est super dur, c'est grave dur. On se retrouve une fois que je suis arrivé en haut. Let's go, la team. Je suis arrivé tout en haut de l'immeuble, accompagné de Loumali. Ok, et Bowser, il me semble qu'il est en bas. Attendez, je vais vérifier. Est-ce qu'il est en bas, Bowser? Il est là. Regardez, oh là, il est tout petit d'un coup. La montre, il fait un sacré bordel, on s'entend même plus. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a, Loumali? Il m'a donné ça. Mais non, tu sors du feu. Tu sors du feu, rends-moi ce briquet. Rends-moi le briquet. Oh, rends-moi. Mais pourquoi ça fait froid? Ça fait mal et moi je veux pas que t'aies un briquet. Donc ce que je fais en premier temps, c'est que je balance le briquet de l'immeuble. Deuxième temps, on va fuir Bowser et aller acheter un chat tout simplement. Non, on va d'abord aller acheter la potion à Rick pour rendre un chat géant. Et après on ira chercher un chat à l'animalerie. Donc c'est parti, let's go, team, je saute dans le vide. Ok, j'ai qu'une chance, pas deux. Il va falloir vite que j'y arrive et let's go. Ok, oh ça c'est parfait, nickel la team. C'est parfait, Loumali, on va en direction du village cartoon et on va aller retourner voir Rick. C'est parti la team, let's go. Donc normalement Bowser est là-bas. Regardez, il a laissé plein de flammes et il me semble que là il est derrière les immeubles. Donc c'est cool, nous on a le temps de partir. Donc il va falloir quand même que je me cache un petit peu pour pas que Bowser puisse me voir. Donc voilà, je vais rester près des bâtiments, comme ça je suis sûr qu'il ne me voit pas. Et let's go, normalement le village cartoon est juste derrière cette maison, je l'espère, parce que j'ai pas envie de faire plus de route. Normalement c'est bon, regardez, il doit juste être là-bas. Voilà, là il y a deux maisons et le village cartoon est juste derrière. Donc je vais à la maison de Rick, je lui achète sa potion, je vais à l'animalerie, je prends un chat, je rends un chat géant, je l'amène à Bowser, il s'affronte, Bowser redevient petit. Voilà, vous n'aurez jamais l'occasion de voir ça deux fois dans votre vie, un chat géant. Donc profitez, franchement. Regardez, ça y est, on arrive au village cartoon, c'est bon. Donc moi je vais passer par là. C'est l'avantage d'avoir le pouvoir des lianes, c'est que je peux passer au-dessus des barrières. Et normalement la maison de Rick est juste derrière ces arbres, la team. On voit le QG des Rainbow Friends. Hop, oula, je me suis perdu. Let's go, et voilà, on est arrivé au village cartoon, c'est cool. Donc je vais acheter cette potion et après en profiter pour justement affronter Bowser et peut-être l'éliminer une bonne fois pour toutes. Donc c'est bon, j'arrive à la villa de Rick, on lui demande sa potion. Rick, j'ai besoin de toi, il faut absolument que tu m'aides. Rick. Ah,
Il faut. Ah, DK, t'es de retour. Je suis de retour. Rick, s'il te plaît, il faut absolument que tu m'aides. T'as fait une énorme boulette tout à l'heure, donc il faut que tu t'excuses. Et pour t'excuser, il faut que tu me prépares une potion, d'accord? J'ai besoin, Rick. Une potion? Mais j'ai plus de potion! Eh ben, tu vas m'en préparer une. Il a tout bu. C'est pas mon enfant. Bref, tu m'en prépares une. J'ai besoin tout simplement d'une potion qui rend un animal géant. Et plus spécialement un chat. Ok? J'ai ça qui traîne dans ma poche, ça te va? Donc toi, tu me sers une potion d'animal géant. Mais c'est parfait, ça, Rick. C'est génial. Merci beaucoup, Rick. Sur ce, je vais te laisser tranquille pour cette vidéo. Merci à toi. Heureusement que l'autre l'a pas tout bu. Hein. Oui, ouais, pardon, attends, tu viens là. Hop là. Déca, il y a un problème, là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il a un trou dans les cheveux? C'est dans son cerveau? Non, c'est pas dans son cerveau, je peux te le garantir. Ah. C'est juste l'âge qui fait ça, c'est ce qu'on appelle la calvitie. Allez, viens là. Hop, bon, merci Rick, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Je dois aller affronter Bowser de mon côté. L'animalerie, elle est juste là. Je me suis mangé un poteau, c'est génial. Bon, bref. Deck Animals est juste là, donc c'est mon magasin. Aujourd'hui, le magasin est fermé, donc je n'ai pas besoin de vendeur. J'ai juste à me servir pour avoir un chat. Let's go, je rentre dans l'animalerie. Hop, nickel, vas-y, rentre aussi, Loumali. Il y a des chiens, il y a des serpents, il y a des. Il y a pas de chiens, tu vas voir. Ah, mais si, mais en plus, je te raconte n'importe quoi, il y en a des chiens. Donc regarde, là par exemple, on a les lapins, on a les rats juste là. Ici, on a les oiseaux. Oui, ça pique. Il faut pas que tu ailles dedans. Non, tu vas pas dedans. Loumali, tu vas pas dedans. Et nous, on doit aller à l'étage. Parce qu'à l'étage, il y a les chats, les chiens, les poissons et les reptiles. Donc là, on a les poissons. À côté, voilà. Ici, on a les serpents. Donc, à surtout pas toucher. Avec les lézards. Voilà, ils sont là, les serpents. Et ici, la team, on a du coup les chiens. Et là, on a les chats. Voilà. Donc, je vais ouvrir la cage des chats. Je vais choisir un chat. Pas toi. T'es gentil, toi? Non, pas toi. Je sais pas, n'importe quel chat. Le premier chat qui sort, ce sera celui que je prends pour l'aventure. Qui veut être un chat qui va m'aider à sauver le monde? Eh ben parfait, ce sera toi. Donc le chat qui sort, tu vas me suivre. Ok, est-ce qu'il va me suivre? J'espère qu'il est dressé. Est-ce que ça mort? Pas lui. Il est trop gentil pour mordre celui-là. Mais t'es moche! Alors moi je pars par la fenêtre, je suis un brigand. D'accord, t'es un brigand. Bah vas-y, pars par la fenêtre. En attendant, le chat tout simplement va me suivre. Je vais l'amener dehors, la team. Et on va le rendre géant tout simplement. Il prend un petit peu son temps. Il est assez compliqué le chat, je suis là, voilà. Ok, let's go. Il prend son temps et là je vais lui mettre cette potion, lui faire boire tout simplement. Ce qui va faire un chat de la taille de Bowser Fury. Ok, le chat, vas-y, sort, let's go. Et on va aller dans un endroit un tout petit peu plus spacieux pour pouvoir le rendre géant. Parce que sinon ici on pourra pas le transformer, hein. C'est beaucoup trop petit ici. Let's go, il est vraiment jeune, hein, ce chat. Il arrive vraiment pas à marcher tout seul. Attends, let's go, je vais l'accompagner parce qu'il galère un petit peu. La team, c'est bon, on est sorti du village cartoon. Par contre, Loumali, il est parti par la fenêtre, mais il est vraiment parti. J'espère qu'il est pas allé voir Bowser parce que sinon on est vraiment embêté à fond. Donc, du coup, le chat, je te donne cette potion, très bien. Et normalement, un chat, c'est assez intelligent pour comprendre qu'une potion, il faut la boire. Donc, let's go, ok, il a bu la potion. La team, ça commence à trembler. Let's go, je crois qu'il est en train de se transformer. Wow! Ok, waouh, ok, là, waouh, mais attendez, mais je suis Rikiki, je suis tout petit. D'accord, très bien, on sort carrément du contexte Mario. Eh, dis-moi, le chat, il faut pas que je lui dise n'importe quoi, sinon il me mange. Il faut que tu me suives, d'accord? Tu me suis, et il faut qu'on aille voir Bowser. C'est une vilaine tortue, et tu vas voir, les chats et les tortues, ça s'amuse super bien ensemble. Tu peux passer sur les maisons, si tu veux, je t'en voudrais pas. Let's go, team, on amène le chat jusqu'à Bowser, et normalement, le chat va lui faire sa fête. Bowser va redevenir petit au bout d'un certain moment de combat, peut-être que parce qu'il est allergique, en fait j'en sais rien. Est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Donc c'est bon, le chat, ouah, mais il va super loin. Et mais attends, mais il est carrément en train de me tracer. Il va arriver à Bowser avant moi. Ok, attends, je vais y arriver avant. Là ça part vraiment en course avec le chat. Très bien, donc normalement Bowser n'était pas loin. Il me semble que l'immeuble était quelque part par là. Attends, je le trouve plus. C'était à côté? Non, c'est peut-être là-bas. Ouais, c'est là. C'est là, la team. Normalement Bowser n'est vraiment pas loin. Je pense que le chat a bien sûr reniflé l'odeur de la tortue et va pouvoir le trouver. Donc on était ici tout à l'heure. On était ici. Ok, bon bah vas-y, on va tourner par là. Viens là, le chat, suis-moi. Oui, bah lui, je peux pas faire comme avec Loumali, je peux pas le... Wow, wow, wow. Hey, il me fonce dessus. Ok, le chat, tu te débrouilles. Tu fais ce que tu veux. Ok, team, c'est parti.
let's go, regardez. Le Bowser m'envoie toutes ses boules, mais il est en train de se battre avec le chat. Et je pense qu'il y a moyen que le chat gagne du coup. Et Ron Bowser petit, let's go. Ok, c'est parti. Ouais, il va me foncer dessus. Il me fonce dessus. Ok, faut que je fasse gaffe. J'attends que Bowser redevienne petit à team. Pour rendre le chat petit, je sais pas comment je vais faire. Hein. Ça, c'est plus mon problème. Oh, mais regardez-moi ce combat à la team. Bowser est en train de souffrir comme jamais. Ouais, il fait vraiment beaucoup de bruit. Let's go. Ok. Je crois que Bowser est au bout de ses souffles. Je vais passer par là. C'est parti. On va voir où on est le chat par rapport à Bowser. Est-ce que vous pensez que le chat va gagner? Je ne sais pas. Hop, let's go. On va passer par ici. Et j'entends plus de bruit. Oh! Bowser est redevenu petit. C'est bon la team. On a réussi. Le chat prend le temps de faire jouer, mais je vais te laisser là. Hein. Tu te débrouilles. Bah attends, mais le chat il redevient petit aussi. Bah bon, il est redevenu petit le chat. Bon bah tant mieux, ça fait un problème en moins. C'est cool et il s'en est allé. D'accord, il est parti. Bon, Bowser, toi tu vas rentrer à ta forteresse et je ne veux plus que tu fasses de bordel, d'accord? Ok. Ok, je vais fuir, je m'en vais. Moi j'ai réussi ma mission la team. J'ai réussi à rendre Bowser encore une fois petit comme il était en début de vidéo. On a perdu Lumali, c'est pas très grave. Et le chat est redevenu petit aussi. Donc c'est cool, ça va être une fin de vidéo. Un grand merci à tous les acteurs qui étaient présents. Il y avait Idash, Edmic ainsi que Enoti. La team, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. J'ai vu Lumali au loin. Très bien. Et sur ce, la team, on se retrouve très bientôt. C'était DK, ciao à tous.